Poissons, horoscope novembre 24 déjà. Alors, mes chers poissons, on a Saturne en poisson, on a un beau pôle en scorpion, donc qui réagit très bien avec vous, avec Mercure notamment. On a toujours ce Neptune rétrograde en poisson, mais qui fait un très joli trigone à Mars en cancer et un beau sextile à Uranus en taureau. Si avec ça, on n'est pas content, voilà. Alors, première bonne nouvelle, en fait, vous vous sentez beaucoup moins chahuté par vos émotions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, mais vous vous sentez plein. C'est-à-dire dans une espèce de plénitude, d'intensité profonde de vous-même. Et de ce fait, en fait, vous vous sentez beaucoup moins angoissé, beaucoup moins oppressé. Donc on peut dire que l'état général est vraiment meilleur. Par contre, vous manquez vraiment d'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas envie de faire plus que ce qui est nécessaire. Est-ce que c'est la peine de faire beaucoup plus que ce qui est nécessaire? Vous avez quand même eu une année déjà un peu remuante. Donc là, peut-être qu'on peut essayer de récéder un petit peu et de s'apaiser pour ce mois-ci et d'être plus au calme. En tout cas, c'est ce qui serait le plus souhaitable. Donc, on peut dire hein, que vous avez fait preuve d'une excellente anticipation, d'une excellente organisation, que tout est vraiment sous contrôle. C'est-à-dire que c'est un petit peu, moi, je vous imaginais, en fait, comme quelqu'un qui aurait tout géré, tout anticipé, tout vu, tout fait, etc. Donc, vous cherchez toujours hein, des choses à déployer, des choses à mettre en place, une énergie, on va dire, à quoi accrocher votre énergie, mais pour le moment, il n'y a pas de pas d'après qui s'impose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune énergie à mettre en place, il n'y a aucune, j'allais dire, il n'y a aucun projet à mettre en place, il faut simplement vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de montagne à gravir. Hein. Donc, celles que vous pourriez avoir envie de franchir, pour le moment, elles sont trop loin. Donc, en fait, on n'est pas dans quelque chose où vous devez vous mobiliser absolument. C'est-à-dire que ça serait bien d'arrêter de se mobiliser vraiment en intensité, en puisant dans vos ressources à fond. Ça serait bien, en fait, tout simplement de vous dire, waouh, calme. Pour le moment, tout va bien. On est sur une période de, j'allais dire, d'équilibre relatif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Donc, c'est important, en fait, de se dire équilibre relatif. Donc, je ne pousse pas davantage. Donc, vous vous rappelez hein, que Neptune va arriver en Bélier au printemps 25 et va susciter donc de gros changements qui seront globalement dans votre rapport au monde extérieur. Alors ça pourra être pour certains le couple, le professionnel, enfin il va y avoir si vous voulez une mutation assez importante de votre visage personnel. Et vous aurez la nécessité de vous poser des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus essentielles par rapport à la vie, par rapport à ce que vous voulez. Donc pour le moment, on n'est pas là-dedans en fait, donc c'est pas la peine d'anticiper. On est dans une expérience, dans une expérimentation même de très très grande stabilité. Mais vous êtes des êtres très intuitifs, hein, vous les poissons, donc vous savez que ça ne durera pas. Le savoir en avance n'aide pas. En fait, là, le point, c'est d'arriver à vivre ce qui est là maintenant et non pas de se dire, ah là là, au pas d'après, ça va être quoi? Donc, on verra. En fait, l'idée, c'est que ce n'est pas tellement la situation extérieure qui va changer à partir du printemps 25, c'est vous, en fait, qui allez changer. C'est-à-dire que vous n'aurez plus envie d'être Neptune-Poisson, c'est-à-dire au service de votre vie, comme, voyez, si vous aviez un joyau extrême qui est votre vie, et devoir en prendre soin. Vous allez avoir envie, en fait, de vous déployer, de vivre, de dire beaucoup plus je, avec Uranus en Gémeaux aussi qui arrivera l'année d'après, de vous amuser davantage. Alors, professionnellement, là, tout de suite, là, on est en novembre 24, on peut dire que tout va bien, que tout ronronne très gentiment. Alors, vous pensez bien que moi, les ronrons, ça me connaît et que je trouve ça formidable. Donc, il n'y a rien à apprendre ni à déployer. Donc, si vous êtes en indépendant, bah, ça fonctionne sans exagération ou ça fonctionne, mais de toute façon, il n'y a rien à faire de plus. Il y a des gens très gentils autour. Si vous travaillez au sein d'un bureau, d'une entreprise, d'un magasin, etc., c'est une bonne période pour échanger beaucoup avec les gens, pour faire des projets collectifs, pour se déployer à plusieurs, voilà, pour aussi préparer peut-être les fêtes, pour faire des communautés d'entreprise ou préparer des événements. En fait, déployer les choses les plus douces que vous pouvez, c'est-à-dire déployer du lien interhumain. C'est là-dessus, en fait, que vous êtes très, très bon. Mais rien ne s'impose. En tout cas, il y a beaucoup de créativité, d'originalité dans ce que vous faites et on vous apprécie beaucoup pour ça. Donc, c'est important de pas vous dire qu'il doit y avoir un autre espace de déploiement que cette grande créativité. En fait, laissez-vous l'espace et la place d'être vous-même parce qu'il n'y a rien d'autre en fait qui importe autant. Donc, c'est aussi une bonne période pour vous remettre
par exemple, à une passion jeunesse. Hein, voilà, si j'allais dire, vous adoriez, je sais pas moi, faire du tricot, ou bien faire du jardinage, ou faire des randonnées, ou faire de la musique, ou faire de la danse. C'est vraiment un bon moment, en fait, pour remettre tout ça d'aplomb et y aller. Alors, financièrement, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a rien de stupéfiant, mais il n'y a pas de difficulté non plus. Si vous êtes en recherche professionnelle, c'est difficile de savoir ce que vous voulez vraiment, puisque vous êtes, j'allais dire, beaucoup, beaucoup tourné, on va dire, vers les autres, vers ce que les autres désirent, ce qu'ils veulent, etc. Donc, en fait, le point qui est très important, c'est de ne pas rester seul. Vraiment, pour les poissons, en ce moment, j'insiste sur le fait de rejoindre le monde extérieur, d'être avec les autres et de ne pas tourner en rond chez vous. Donc, en gros, acceptez n'importe quoi si vous pouvez être avec d'autres. Et si vous trouvez aucun poste rémunéré, faites du bénévolat en attendant. Mais en gros, ne restez ni seul ni isolé. Alors, personnellement, vous êtes très entouré affectivement. Je vous l'ai dit, vous êtes en baisse d'énergie. Vous n'êtes pas forcément malade, hein, mais en baisse d'énergie, vous êtes, donc profitez de votre entourage, appuyez-vous dessus, familialement, en fait, c'est agréable parce que vous vous sentez à votre place, très entouré, en couple, ça va aussi, mais vous avez quand même la sensation d'une relation moins intense, mais en fait, c'est parce que vous n'avez pas non plus l'énergie de l'intensifier énormément. Donc, si vous êtes célibataire, c'est vraiment une très très bonne période pour vous engager dans une relation longue, il faut y aller, quoi. Et c'est aussi une bonne période pour faire des projets familiaux, des projets patrimoniaux, avancer au pas d'après. Alors, mon conseil, en tout cas, c'est que vous êtes en train de vivre les derniers mois de Neptune dans votre signe et que c'est sûr, en fait, que son départ va occasionner pour vous un nouveau cycle de vie. On n'y est pas. Pour autant, en fait, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il n'y a pas besoin, en fait, d'essayer d'anticiper les choses. Là, en fait, vous êtes forcément avec Neptune qui va bientôt partir dans une relative baisse d'énergie. C'est important que ce soit, j'allais dire, à votre rythme et comme vous le pouvez. Et aussi de se dire que, voyez, de temps en temps, si vous avez un peu le moral dans les chaussettes en vous disant, tout le monde va bien autour, mais moi, en fait, c'est quoi ma place? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? On attend 6 mois. Dans 6 mois, on verra. Vous vous poserez ces questions. Là, c'est vraiment pas le sujet. Donc, pour le moment, j'allais dire, vous n'êtes pas, vous faites partie de votre vie, évidemment, mais vous n'êtes pas au centre de votre vie. Vous allez y être et on n'y est pas tout à fait. Donc, ce qui est clair aussi, c'est que il ne faut pas vous inquiéter avec ce que je vous ai dit sur Neptune en Bélier. Voyez, pour la suite, ce que vous avez construit va perdurer, sauf que vous allez retirer un peu la couverture à vous. Et c'est vrai que ça sera important, en fait, de recadrer les relations en lien avec vous et non pas uniquement en lien avec ce que les autres attendent de vous. Donc, c'est que du bonheur, tout ça. Bon mois de novembre.